Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Le directeur radio avec Kayan BFM, Kayan BFM, avec Dany sur ta radio. La dia tes potes, ok ton cadre. Allez, 16h et pas 16h passé de 10 minutes. Allez, on va y arriver cet après-midi, hein, en tout cas sur la radio, sur Kayom FM en tout cas. Musette Azot là, bienvenue avec moi, justement en distance. Oui, en distance. Anel, ça va Anel? Est-ce que tu m'entends? Comme toujours. Comme toujours. Quoi, comme toujours? Bonjour tout le monde, oui. Ça va, vous l'avez bien, tranquille? Ça va. Bon, ça bug un petit peu au niveau du réseau. Oui, bah oui, là, elle a été coupée tout à l'heure. Donc oui, effectivement, ça bug. Hein. Elle avait fait un avant, comment il dit, un avant-goût tout à l'heure, depuis 15h30. Mais dit, bon, en espérant que le réseau ne bug pas, tu vois. Donc voilà. Et arrive à 16h pile, nous l'est en direct sur Kayom FM et il a coupé. Donc j'adore ce réseau. J'adore ce réseau. Bah oui, hein. Ouais, c'est clair. Normalement le direct Facebook nous l'est en direct également. Donc on salue Amélie. Salut Amélie, vous l'êtes bien? Moi Amélie est bien tranquille. Hein. Donc Amélie du côté de l'Ouest. Elle voudrait écouter justement donc un titre, la chanson de. Alors donc m'en avait noté, c'est MC Box en featuring avec Wisdom, donc avec le titre Wayo. Donc ça sera aux alentours de 16h30 Amélie. Amélie, les amis, oublie pas sa chanson, inquiète pas Amélie. Mais Amélie mon coco, inquiète pas. Oh. Salut quand même Monsieur Mario, hein. Mario il est à l'écoute en ce moment, hein, notre fidèle auditeur. Alors il est vrai qu'il bug et du coup Anaël il prend le temps pour répondre. Ça j'adore ça. Tu m'entends? Alors non, ça coupe pas mal. Là, on n'a entendu rien que dire, tu m'entends. Tout ce qu'on a dit avant, on n'a pas entendu. D'accord, en fait, il faut mettre un article. En fait, il faut mettre un mot par un mot, quoi. C'est ça. Ah, je sais pas, mais en tout cas, Marie, rien entendu. Hein. Bon. Après Marie, je crois. Enfin non, Amélie. Oui, Amélie et Nena aussi. Donc, Mario qui nous écoute actuellement. Mario, oui, une petite coucou aussi, Mario, Amélie et toutes les personnes qui écoutent à nous. Regardez à nous sur Facebook, que vous soyez à La Réunion en métropole, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui écoutent à nous et qui regardent à nous depuis la métropole. Bah oui, hein. Un petit coucou à... Voilà, appel à nous, hein, 06 93 486, 06 93 486, 996, dis-nous justement comment il se passe notre confinement, est-ce que le temps est mieux, est-ce qu'il y a soleil, est-ce qu'il y a la pluie, dis-nous tout, hein, nous veut tout savoir. Hein. Voilà, Amélie. Ah oui, Amélie qui dit merci Dany mon coco. Ah, elle a dit bug sérieux. Oh. Ouais, ça bug pas mal. Hein. Ouais, ça bug pas mal en ce lundi 6 avril quand même. Hein. Bon. Il y a DS, DS Carolage qui dit salut, comment il est? OP Mika. Ah ben ça me pense que c'est un camarade de Mika. Salut DS Carolage. On fait une pause Caro? Salut. Voilà, donc pour toutes les personnes qui les écoutent actuellement, téléphone à nous un petit coup en direct à la radio, hein, 06 93 488 996 également, donc pour les plus timides, 06 92 170 862, 06 92 170 862 pour les textos, voilà. Anel,
Oui. Alors, vous avez passé un bon week-end ? Oui, il m'a passé un super bon week-end, tranquille, comme le week-end dernier. Ouais. La reste la case, l'a profité, m'a fait du pain perdu hier, c'est extrêmement bon. Et cet après-midi, je me suis adonnée à essayer de faire des brioches. Bon, on va dire que non, c'est pas raté, c'est pas non plus hyper bien réalisé, mais c'est pas raté. Peut-être c'est bon aussi, hein, je sais pas trop, mais voilà, là c'est fini et ça sera pour demain matin, le petit déjeuner. En plus, m'a vu hier après-midi, vous l'avez fait quand même un petit goûter hier après-midi. Ouais. Oui, c'est le pain perdu et tout. Hier, un petit goûter avec du pain perdu, perdu avec du pain de mie. Ouais. Qui est arrivé à expiration. Mm-hmm. Donc, très bonne astuce, hein, le pain perdu pour tout ce qui est soit pain raté. Pain qui va arriver à expiration, non, mais voilà, qui a été fait la veille et que vous voulez pas jeter, ça commence à durcir, mais vous faites du pain perdu. Mmh. Pareil pour le pain de mie. Moi, ça arrive à expiration aujourd'hui. Donc du coup, j'ai décidé de faire du pain perdu avec, pour pas le perdre, justement. Ouais. Et on s'est régalé. Bon, c'était un peu sucré, hein, donc je suis partie un peu trop lourde sur le sucre. Mon fils a dit, maman, c'est trop sucré. Mais bon, pour une fois, un enfant peut dire que c'est trop sucré. Ouais. Mais honnêtement, hormis ça, rien à dire. C'était un super moment. En plus, il faisait super bon. Pas comme aujourd'hui, bon, s'il y a du vent. Mais là, il fait un peu chaud. Ouais. Le soleil est en train de se coucher. Donc voilà, tout le soleil est sous ma véranda. Ah, on te et, voit. Et hein. Du coup, voilà. Mais sinon ça, ça va, tranquille. Bah oui, tranquille. En plus, on l'a vu justement... Pas ton week-end. Hein? Et toi ton week-end? Alors attends, mais réponds-nous dans un instant pour le week-end. Nena, Amélie qui dit justement donc le port, cela y pète. Ah, on est du côté du port, cela y pète même là-bas, ou même. Là-bas, il pleut jamais là-bas. Sauf exception. Mario qui dit justement, donc, parce que m'a reçu un message de Mario. Sur les textos, 06 92 170 862, la dit c'est Mario, comme il est timide, me sera par là. Ah, vous l'avez plus sur le compte Facebook. Ah, ben voilà. Alors, donc, l'a dit comme Nana l'a fait, comment Nana l'a fait pour manger de pain perdu, vu qu'elle est perdue. Oh. Non, mais voilà. La seule chose du week-end qui était un peu gâchée, qui a un peu gâché le truc, c'est mon otite, mais bon, sinon, ça va mieux. Donc, ouais, ça va mieux. Oui, ça va, tant bien que mal. Mieux que hier, en tout cas. Ah bah oui, c'est sûr. Elle a dit, Mario qui dit, la possession, soleil pète aussi. Voilà, en tout cas, dans l'ouest, elle est vraie que soleil pète. Dans l'est, soleil pète, hein, c'est ça, aussi. Hein. Oui, soleil pète, ouais, ça va. Voilà. Je préférais le temps d'hier quand même. Hein. Pourquoi le temps d'hier? Il y avait du vent, il faisait bon. Bon, là il y a du vent aussi, mais. Mais pas comme là, quoi. Hein. Ouais, non, il fait un peu plus chaud. Mais bon. Voilà, c'est ça, il fait un peu plus chaud. En tout cas, pour ceux ou celles qui nous rejoignent actuellement sur la page Facebook, hein, pour ceux ou celles qui regardent, dis-nous comment laisse passer ce week-end. Hein. Est-ce que justement, est-ce que vous avez fait un affaire? Est-ce que vous avez fait comme Anaël, justement, fait de pain perdu? Et Amélie, oui, qu'on se l'a fait du week-end aussi également. Mais Diane tout en tout cas. Nena Sylvestre qui dit salut Anaël, c'est VJS Animation. Ah salut à toi. Ah ben oui. VJS Animation. Il y a Amélie qui dit cela il pète comme le volcan. Effectivement, le volcan a pété, hein. Oui, mais il me semble que l'a pas calmé un peu là, m'a cru voir oui, dans les infos là. Si, m'a cru voir, oui, effectivement. M'a cru voir que l'a calmé aussi. Mais bon, hein. Ouais, il me semble, hein, l'a calmé un petit peu, mais bon, sinon ça, on est ça. Oui, mais sinon ça, nous les. Tranquille et mille. Mais bon, les gens étaient embêtés depuis. Depuis ce matin ou hier avec les cheveux de pelé là, ça oui. C'est l'enfer, hein. C'est ça, mal à vu proche du volcan. C'est ça, même la plaine des CAF aussi mal à vu. On salue quand même Jimmy, hein, donc et Angel également, donc mal à vu sur une photo également qu'elle avait les cheveux pelés justement du côté du sud là-bas, du côté de la plaine des CAF, on va dire.
Donc, ouais, donc c'est voilà. C'est ça, plein des cas, plein des palmiers, plein de roses, enfin un peu de partout, là, il y avait cheveux pelés. Bon, moi ici, j'ai pas eu. Hein. Pour le moment. Hein. Pour le moment, il faut préciser pour le moment. On salue quand même Larissa et Delia. Delia, donc qu'elle aime aussi le Facebook Live, donc entre temps. Voilà, en tout cas, ben, déconnectés en tout cas aujourd'hui hein, sur la radio, sur Kayam FM en tout cas. Nous l'est là jusqu'à 18h dans le Tropical After. Hein, et ben, tout à l'heure, donc Nora quand même devoir passer un petit coup de fil. Ben, justement, parce que. M'y connaît pas ce qu'on est Anaël, parce que tu parles de pain perdu. Donc là, nous va essayer appeler une personne experte en gourmandise, justement. Donc elle s'appelle Evelyne. Donc Run Gourmandise, mais que personne n'a entendu parler. Je connais pas, non, mais. Et en plus, je serais enchantée de connaître. En plus, il est dans l'Est. La Catherine dans l'Est. Et dans l'Est. Voilà, donc tout à l'heure nous va. Des choses dans l'Est comme ça. Voilà, juste après la pause musicale en tout cas sur la radio. Et puis bah, nous va appeler un petit coup Christine. Christine, je pense que là du voir elle justement quand on a fait le salon VDI donc à Saint-André. Non, non, à moi avec la chef. La chef. Ah oui, je connais, ouais, je connais. Oui, oui, oui. À moi avec la chef. La chef, comment on dit, la directrice de la radio n'appelle les gardes du corps, nous. Ah. Oui, bah, n'appelle les gardes du corps. Mais ce sera tout à l'heure donc sur la radio. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent actuellement. Donc, oui, pour ceux qui nous écoutent actuellement, donc sur la fréquence 106.9 également, donc sur le site www.tropicanight.re, www.tropicanight.re. Nora également, donc, à partir de 17h, le rendez-vous jeu enfin, le rendez-vous jeu effectivement donc le jeu des 5 secondes voilà et ouais le fameux jeu des 5 secondes voilà donc donc ça va bien se marrer aujourd'hui parce qu'en plus il y a deux thèmes au choix là donc c'est soit cinéma soit c'est quiz bande dessinée quand même hein. Attends s'il te plaît voilà ça c'est pas mieux les thèmes aujourd'hui hein. À trop fameux les thèmes aujourd'hui. Bah écoute, faut changer hein. Ah, quand même. Et du coup, aujourd'hui, c'était le son à l'école. Enfin, c'était l'école à la maison. Oui, oui, l'école à la maison toujours. Donc, il a une superbe maîtresse parce qu'elle s'adapte vraiment. Et encore cette semaine, donc, elle a donné des devoirs, mais ça allait. Il n'y avait pas énormément pour aujourd'hui pour nous laisser souffler un petit peu, nous les parents, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais franchement, chapeau la maîtresse de Gabriel parce que moi j'ai rien à dire. Elle est super. Donc ouais, on a fait quelques devoirs. Donc demain c'est rebelote. Aujourd'hui, ben ma fête caribichique aussi, à la cantine Madame Caribichique. Ah ouais, quand même, avec caribichique. Avec que de crevettes. Ouais. Ah ouais, quand même. De queue de crevettes. Ouais, ouais. Ce soir, bah, il rebelote, c'est mes affaires. Mmh. Et on verra demain. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà, quoi. Il essaye d'apporter un plaisir à être en confinement, comme il dit. Bah, comme il dit, oui. Hein. Comme il dit, il essaye. Alors, la personne nous dit, il nous plaît à nous, mais nous n'a pas plaint à nous. On a des journées dans la rue, je ne connais pas où ça se peut aller. À des journées à l'hôpital. Mmh. Donc franchement, me préfère vivre ce confinement-là tranquille à la maison et connaître tous les gens de ma famille en bonne santé. Bon, on ne souhaite pas que les autres aient pas en bonne santé. Hein. Ne dites pas que mais les contents, c'est les autres, c'est pas nous. Hein. Ça arrive à nous aussi. Hein. C'est pas fini. Hein. Mais le problème, c'est que là, il faudrait peut-être nous réjouir d'être en bonne forme. Ouais. Même si on est chez nous enfermé. La plage, y quoi pas. Un restaurant et quoi pas, enfin bref, tout ça et quoi pas, mais pense que nous va retrouver à aller tranquille. Ben, il manque, hein, parce qu'il manque à moi aussi. Hein. Oui, il manque. Dirait, ouais. Ah, oh, franchement, hein, moi là, c'est le premier week-end hors confinement, mais pas ma case. Hein. Ah ben juste, c'est ça. Mais il faut resto, dîner, plage, boîte, tout là. Il fait tout ça. Ah bah oui, ça, il est. Un week-end, il dort pas. Ah oui, un week-end ne dort pas. Il doit être marrant. Hein. Clair, mon garçon vient commencer à ma maman, la plage me manque. Mais ah ben oui, l'hôtel me manque. Mais ah ben ça, t'aiderais pas moi, ça y est, un coup il manque. Ah bah oui, effectivement, hein, moi aussi les hôtels me manquent. Hein. On salue quand même tous nos partenaires hôteliers, justement. Hein, big up ou banana en tout cas.
Mais d'ailleurs, il faudra m'y mettre. Manger, manque à moins. Ah bon, qu'elle mange. Qu'elle mange. Ben, manger la lamanda, pluralis, pluralis. Partout, quoi. Hein. Partout. Hein. Bah oui, faudra cette semaine, il va essayer de garder justement donc le numéro de la de la directrice, hein, donc mina celui du Floralis. Faudra essayer voir justement avec celui de la Mandin pour voir il se passe comment il se passe un petit peu de confinement. Hein. Donc et puis donc le retour à la normale au niveau des hôtels, au niveau des activités, donc après le confinement, c'est quoi les comptes mettre en place, tout ça. Donc nous va essayer un petit coup banan. Dans la semaine. Tu dis ouais. Ben oui hein, il faut hein. À tout hein. Allez, ben... encore moins. À peine pleurer. À peine pleurer. Ah oui, au point de pleurer, oui. Aïe aïe aïe. Quand même un petit peu. M'a jamais vu au pleurer. Ma famille aussi il manque à moi et tout ça il manque à moi. Bon, t'es venu en parler déjà de ma famille, mais maintenant c'est des activités qui parlent. Vraiment. La plage, c'est clair que c'est l'une des activités, ça a bondé d'ailleurs, on y pense. Hein. Donc ouais. Quand le confinement sera fini, les plages seront prises d'assaut, hein, je pense. Bon, après, ça dépend quand. Mais même si c'est l'hiver, ben, on y pense que de monde ça allait quand même. Parce que nous, c'est un hiver, voilà. Oui, un hiver arrêté, quoi. Un hiver. Non, peut-être pas hiver été. Un hiver style printemps là-bas en France, plus ou moins, dans le même style. Mais nous peut quand même aller à la plage en hiver nous ici. Mais la mi-pensée. C'est les aléas du direct. La fin, là, tu mon noir. Et là, il voit pas rien parce que le soleil est en plein sous en plein sous case. Attends. Allez. Donc du coup, qu'est-ce que je disais oui, donc confinement, oui. Mais c'est vrai que là, on va se mettre à aller à la plage. Tout le monde va aller à la plage en même temps. Enfin bref, ça sera assez folklorique. Ah ouais. Ah bah écoute. Hein, voilà. Je me sens mieux là. J'ai moins le soleil. Ah bah oui, bah aussi voici dans le soleil. Quand même. Bah putain, on voit pas déjà moi les blancs, mais la blanchi. Elle est vraiment plus hein, ou l'a vraiment blanchi hein. Bah oui, oh. Marron blanchi hein. Ah bah oui, c'est bien ça. C'est plus la hein brune brunette hein, mais... la brune blanchette. Bah déjà d'autant plus que la brune brunette, la brune blanchette. Bah d'autant plus que les vrais coups la décolorent un petit peu hein, donc. On salue quand même Marie qui nous dit coucou, ça va bien là-bas, je kiffe. Oh, kiff quoi. Que soit kiff Marie, dis-nous. Kiff, elle dit kiff de d'écouter à nous, de passer du moment avec nous. Bah Miko n'est pas mal. Elle a dit coucou, ça va bien là-bas, je kiffe. Rien, ouais. Mais non, mais ça, ah, bah fille, oui. Bah Amélie, qu'est-ce qu'elle a fait Amélie? On écoute toujours parce que dans l'instant, il diffuse ce morceau là dans moins de 3 minutes. Parce que là, elle dit soleil pète comme le volcan. Et là, Minman Ali, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce week-end, il n'a même pas répondu à moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Six autres aussi. Elle a poussé la liste là justement. Ah, c'est pour ça qu'elle a pas encore répondu à eux. Elle a fait tellement de choses ce week-end. Bah mais lui, il m'y connaît la fait. Elle a pas encore le temps de m'être envoyé. Bah c'est sûr. En tout cas, nous va faire une petite pause là maintenant, d'accord? Et puis ben juste après la pause, ben nous va téléphoner un petit coup Evelyne, hein, nous va parler un petit peu de gourmandise. Voilà, donc nous allons voir comment il se passe son confinement, est-ce qu'il fait ses gourmandises juste pour elle. Donc voilà, on ne sait pas. Hein. Et peut-être s'il a des petits conseils à donner justement pour faire des petits gâteaux comme ça, quoi. Hein. Mais ne pense pas si ça dévoile son secret. Hein. Avec grand plaisir. Bon. Allez, nous marque la pause. On va s'écouter justement dans MC Box en featuring avec Wisdom. Donc voyou, on aura également donc Anti avec le titre C'est pas bien. On aura également donc Seton avec le titre en B. Puis on revient juste après sur la radio. C'est bon? Ok. Allez, à tout de suite. 106.9 FM. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Le direct radio avec Kayamb FM, Kayamb FM. Avec Dani sur ta radio. La via tes potes, ton qui ton cadre. Tu
À l'instant, c'était bien évidemment Benjam avec le titre Consommateur pour Mario qui nous écoute actuellement. En tout cas, pour ceux ou celles qui nous arrivent sur la fréquence 106.9 de la radio Cayenne FM, ils sont à zone là. Bienvenue en tout cas. C'est Dany qui accompagne Azot jusqu'à 18h. Enfin, Dany pour l'instant, parce qu'Anel, on dirait, elle a eu un souci technique. Oui, un souci technique. Alors, mais voilà justement le celui de Amélie. Amélie qui nous dit oui, Anel, la liste elle est longue, elle est tellement longue que rien de spécial. Manger entre manger, Netflix, radio, dodo, ainsi de suite, n'aurait bien mangé un pain perdu. En tout cas, ben c'est Anel. Le temps qu'Anel il revient justement, mais vas-y, elle m'avait fait passer le message. Elle a fait passer le message justement. On va voir s'il reste encore de pain perdu, parce que là, là vraiment pire dans, entre Guillaume et A. Voilà. Le numéro du standard, donc si tu veux casser un petit peu le cuir avec nous, n'hésite pas, hein, ne soyez pas timide. Hein. 06 93 488 996. Amélie, appelle à Nunchiku, Nawa Osa, Yamananou, enfin Yamanao, justement, mais connaît où sort le port, mais peut-être qu'on va téléphoner, où sera, voilà quoi, où sera partout dans l'île. Bah oui, parce que la radio quand même, elle est écoutée partout, hein, donc reste pas côté le port là-bas. allez, bah nous va appeler un petit coup, bon, après-midi, on va appeler Ron Gourmandise avant, mais bon, vu qu'elle n'est pas là, nous va appeler un petit coup Christine, oui, parce que Ron Gourmandise, quand même, il faut qu'elle est là, tu vois, au moins elle fait bavailler un peu. Allez, on va appeler un petit coup Christine, d'avoir conseillé de bien, fait longtemps pour croire, justement, bien sûr, il n'y a pas son numéro. On va voir comment ira le sang. Oui, allô. Allô, Christine. Oui. Oui. Connais que Samilé? Non. Non, ok, pas que Samilé. Ma voix est dit pour rien. Non. Christine. Mais connais au soir de la possession, t'es. Que pas que Samilé? Ah, Christine, arrête au dos. Ah, ouais. Christine, ne connais pas que Samilé vraiment? Ah là, essaye, là, je reconnais pas, moi, là, mais ça vexé, moi, là, par contre, hein. D'accord, je sais pas. Ah, t'es... Christine, ne connais pas que ça m'a aidé, sérieusement? Ben ouais, sérieusement. Bah... Au soir de domicile... Fais un coup de curriculum vitae, s'il te plaît. Hein? Fais un coup de curriculum vitae, là, s'il te plaît. Ah, faut m'y faire encore mon CV, ou là? Ah, t'es Christine, t'es... Ah, ou des connes, là? Ah, oh, dernier, alors... Vous connaissez, dernier fois on a vu nous, c'était à Saint-André pour un salon VDI. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez qu'ils ont mis les... Là. Bernard sur... Ah, bah, on prend moi pour Bernard, t'es Ah, bah oui, t'es Bernard, là, moi, comme ça, alors, bah, vite, connais pas. Ah, t'as une fois. Ah, t'es non, t'es en plus, là, avait un animateur là-bas. Trop bien l'animateur justement. Ah oui, what the... l'animateur là. Ah non, il n'y a pas bien Ali. Ma fin de chance de nous alors. C'est Dany, t'es là, en plus bien Ali, c'est un finous. Bon, sans offenser parce que Christine nous l'a en direct sur la radio Cayenne ah. FM cet après-midi. Non, bon, midi Bernard, mais Bernard, si, c'est un joli prénom, hein. T'as l'air tout de Bernard, prénom, oui, bien. Voilà, t'as l'air tout de Bernard, je fais un encore, là, non, mais il m'aime bien, qu'est-ce qu'il, non, il faut pas, bon, Christine, ben, qu'est-ce que tu deviens, il fait longtemps que tu viens où t'es, ben oui, ben, elle est confinée, là, elle arrive bien ton confiture, là, non, elle a fini ma série, fini toute la, hein, mon confinement, là, est fini. Ah oui, mais il n'est pas loin d'être fini, là, on connaît. Il en a encore pour aller. Ah, mais justement, il n'y a pas qu'il te désespère, moi. Ah, mais après, il voit, vous faites beaucoup de choses, hein. Ah oui, là, on arrive au niveau supérieur. Ah oui, hiérarchie.
Il faut évoluer, il faut. Ah oui, là t'as pas où ça dépasse le présidentiel tout là. Ok, peut-être pas quand même, dis pas. Ah oui, là, ouais, notre président actuellement, là, ça dépasse à lui, là. Ok. Où sera haut placé, ouais. Ma cochine est gravie, elle va une petite échelle avant ça, moi. Bah, on l'a fait une gravie au moins 2-3 échelles, t'es au même. Ouais, mais les loin, 13 000 km. Ouais, là, mais de temps en temps. Là, tu passes pas 2-3 échelles quand même. Ouais, mais là, elle reste bloquée avec le confinement, la guépille monte l'échelle, rien. Là, là, il était fait rien, là, tout est en stand-by. Il est comme la route littorale. Ah oui, la route. Mais c'est ça. Normalement, parce que la route littorale, tu devrais livrer en 2020, ça. Ben là, avec le confinement, le compliqué. Ah ouais, ce sera en 2030. Au moins. Au moins. Bah oui. Si nous sortent du confinement, nous. Mmh. Ah oui. Mais connais, là, il s'arrête bien. Il s'arrête là. Et là où vous faites l'école à la maison, comment il se passe ça, le confinement, ou dort, ou mange? Du télétravail déjà. Ouais, vous faites du télétravail, d'accord. Pas le choix. Hein. Mmh. Il faut aller travailler avant. D'accord. Et là, quoi? Ma maman fait l'école à la maison, mais bon, on m'apprend une case avec les mamans que les complètement dépassées. Mmh. D'accord. Et dis-le, de suivre les enfants avec tout ce que l'on a à faire. Ah ouais. Alors bientôt un petit peu faible et normal, ça. Il devrait être un sujet à mettre sur le tapis avec les élus. Hein. Quel sujet? Le rectorat, ben justement l'enseignement des parents à la maison avec la difficulté que les mis en place. Oui, mais il croit qu'il avait déjà eu ça, ce petit débat, non? Ah non, on a dit que les parents va prendre le relais. Mmh. Mais est-ce que dans la mesurer la difficulté dans laquelle les parents n'y pensent pas? Ouais, ça non, ça m'a pas vu. Mmh. Ouais, ouais. Ben non, parce qu'il n'y va pas même les associations de parents d'élèves, ça ne parle pas de ces difficultés-là, et ils devraient. Hein. Mmh. Ouais, c'est d'actualité. C'est ça, ils devraient. Hein. Ben, c'est ça. Parce que bon, y va, hein, chez nous, dans l'entreprise, ben, on a beaucoup de parents qui l'ont complètement dépassé. Mmh. D'un, parce que l'enfant n'y comprend pas que son parent aujourd'hui prend un rôle de professeur. Ouais. Surtout quand c'est des enfants de jeune âge, quoi. Mmh. Et en plus de ça, le parent lui-même n'a pas appris la pédagogie scolaire. Hein. Ouais. Donc comment lui enseigne un enfant quelque chose que lui-même ne connaît pas? C'est ça. C'est ça. Et la masse de travail que les demander et que les envoyer aux parents, et que le parent en a 25, 30, 40 ans, la petite école, quoi. Non, les vrais scousis, hein, les non, vrais. Hein. Non, c'est vraiment, on est en train d'interroger, moi, depuis quelques jours, là, on me dit que ce serait un sujet à mettre sur la table, quoi. Sur le tapis, comme il dit, hein. Entre le rectorat, le rectorat, les comités de parents d'élèves, certains parents, ceux qui en sont à ZOP et ceux qui en sont à ZOP, parce que certains, certainement, ils doivent bien en sont à ZOP, mais majorité avant. Et autre question, le parent n'a pas passé l'école. Bah c'est ça, c'est s'il a des difficultés. Bah oui, comment il fait? Comment il n'est pas équipé, il n'a pas d'imprimante, il n'a pas rien. Bah là, on va envoyer le dossier par la poste, mais vu comment les courriers n'est pas distribué tous les jours. Donc non, moi, je pense que je n'ai pas mesuré l'immensité de la tâche que les retombées sur l'épaule des parents. C'est sûr. Et d'autant plus si les parents, ils font du télétravail, donc ça est encore difficile encore. Parce qu'il faut associer la trois vies dans une seule journée. Mm. La vie de la personne. Oui. D'accord. Il faut lui faire qu'ils soient mangés, nettoyer son case et faire tout ça. La vie du télétravailleur, parce que lui est un salarié avant tout. Mm. Et la vie du parent professeur quand il ferme son écran et quand il ne fait pas des journées pleines 8h-17h. Ouais. Parce que 8h-17h, s'il faut lui aider derrière son écran pour faire son télétravail, 17h, il faut lui reprendre le scolaire de maman, il combien de temps? En une heure, il n'y a pas le temps de faire le programme de la journée, il n'est pas possible. Ouais, humainement, il n'est pas possible. C'est ça. Enfin, moi, c'est mon analyse aujourd'hui de la situation. Non, mais les vrais, donc, après, là, bon, la plupart, ils pensent aux autres, hein, mais vraiment, la pointe, vraiment le choix. Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais à quel prix? À quel prix venir? Au prix de la maladie? Parce que je devrais retrouver les autres malades stressés. Les nerfs vont prendre le dessus, la tension va monter, enfin tout ça.
Ouais. Parce que je n'ai pas une réponse vis-à-vis de l'enfant. Et du coup, il met un enfant en difficulté aussi. Parce que qui ne veut pas avec les autres enfants, qui n'est pas fait aussi. Voilà, c'est donc. L'enfant, pour lui, il regarde son parent comme étant la Bible. Le parent, il doit tout connaître. Après, des vrais, il y a une grande différence entre une salle de classe et l'école à la maison. Donc, oui. Voilà, aussi. C'est ça. Oui, oui. Donc, mais c'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Faut pas vouloir s'en mancher parce que sinon on a des heures. Ah bah il tombe bien parce que... attends de bout de même malin. Attends de du contenu, tu vois. Ouais, bah maintenant on a notre contenu. Les ouais. Toutes petites entreprises aujourd'hui. Ouais. Les à la limite de fermer. Les aides du gouvernement qui a été proposé. Le 3 quand ils rentrent pas dans les conditions. Quoi il a attendu pour ça. Comment ça tu débrouilles ça? C'est pas 1500 euros d'aide que le gouvernement là, est dénié donné, et encore sous certaines conditions. C'est pas avec ça, ça fait continuer les de l'entreprise, tu payes comment un salarié pour celle de là. Ouais. 1500, il suffit pas. Ouais, c'est ça, il suffit pas, parce que si les petites entreprises, ouais, c'est ça. Les petites entreprises que Nena beaucoup, par exemple, au niveau de, par exemple, enfin, il parle en général, au niveau de coiffure esthétique. Donc là en ce moment si Bané fait un chiffre d'affaires, ben il suffit pas quoi. Donc il suffit vraiment pas. Là deux tu fais pas de chiffre d'affaires, puisque j'ai des CME, donc tu fais pas partie des établissements obligatoires à être ouverts. Voilà. D'accord, mais pas dans la liste. Donc je suis obligé d'être CME. Donc si j'ai des CME, pas de chiffre. Si j'en ai pas de chiffre, je te paye comment je salarié. Et la difficulté que certaines entreprises maintenant à aller faire le chômage, faire l'activité partielle, chômage partiel, chômage. Comme on veut. Ouais. La diète n'est pas équipée pour gérer le flux d'appel. Puisque toutes les entreprises que m'y connaît, que l'adresse azote à la diète, que ce soit par téléphone ou avec les liens que j'ai eu, n'a pas eu de réponse. Ah oui. Donc les entreprises les livraient azote même aujourd'hui dans ce confinement-là, avec des décisions que le gouvernement a prises. Le gouvernement a pris les décisions, c'est bien. Mais derrière, la pointe les résultats. C'est ça, la pointe vraiment. Comment on a fait? Moi, il liait tous les jours sur Facebook le désarroi des petites entreprises. Il fait mal mon cœur parce que je connais mon amour pour les petites entreprises et tout ce que m'a déjà fait pour faire développer ces toutes petites entreprises-là. Aujourd'hui, comme il dit tout ça, il se dit à moi que je la sorti des textes, mais derrière, la pointe rien. Oui, il y a beaucoup des petites entreprises, en tout cas sur la Réunion. Donc, énormément. Des petites entreprises avec 1, 2, 3 salariés qui rentrent pas dans le cadre. Il faut les mettre quand même certaines choses pour rentrer dedans. Mais l'auto-entrepreneur lui-même, il ne peut pas sortir parce qu'il ne fait pas partie des listes du gouvernement. Il fait comment? Il vient ouvert, il a un an, il est ouvert, il est tout juste, il te commence à mettre à l'intention de pied pour commencer à marcher. Aujourd'hui, avec le confinement, il retrouve à terre. Ah oui. Quoi est prévu pour ça à la fin surprise? Parce que là, on a beaucoup d'effets d'annonce, hein, mais on en a des enveloppes qui ouvrent là, de partout, machin, va être l'entreprise et tout. Mais quel acte administratif il faut que l'entreprise fait, quel type de document il faut qu'il fournisse, un document long comme son bras pour lui gagner 2 francs 6 sous. Vraiment compliqué hein, ce système justement. Donc tout n'est pas calculé dans en fait les voilà quoi. Donc non, on a des effets d'annonce mais n'a rien pratique pratique derrière, n'a pas rien. Ouais, c'est ça. Et Microacne a des personnes justement qu'on a créé un groupe pour justement les concernant les entreprises en détresse. Voilà, des entreprises en détresse. Hein? Donc, mais vous l'avez vu les commentaires qu'il y en a sur ce groupe-là, mais qu'on n'est pas sur la partie Jacques-Aquidane ou sous la rang ou la SKA ou dans le groupe. Non, moi pas encore. Tu es vraiment stressant quoi, quand on lit les témoignages, les difficultés des entreprises, les petites entreprises en a aujourd'hui, et j'adapte personne de la petite ou à la nôtre pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un petit rayon de lumière, quoi. C'est sûr. Parce que là, tout à l'heure, parce que l'on n'entend pas la main des entreprises, parce que tout à l'heure, mais ça téléphone, mais que pas je connais, Run Gourmandise. Donc elle est entrepreneuse, donc elle est exclue en fait et discriminée.
Donc, par rapport à son entreprise, sa petite entreprise, tu vois. Parce que là, Milly est sur la page parce que ma vie vient un truc, voilà. C'était sur sa page, justement. Donc, pareil, elle est exclue, donc elle ne connaît pas comment elle s'est avancée dans ce domaine-là, quoi. Donc, et tout à l'heure, justement, et là, Micro, elle a créé aussi un truc, là. Ah voilà, c'est je suis indépendant et dans la merde, voilà, c'est ça. Mais que pas sous la vue, c'est ça. Mais en ce moment, je pense que ce genre de groupe-là va fleurir. Mmh. Il a tout à fait raison de regrouper les autres pour faire remonter les besoins. Les besoins de ces entreprises-là, parce que bon, ça n'a pas le loyer, mais celui que elle avait pris un petit local pour essayer de développer son activité, qui avait mis tout son cœur là-dedans, et aujourd'hui, ben, il est obligé de fermer son local. D'accord, ben, peut-être que le gouvernement va demander au bailleur de suspendre les loyers. Ouais. Mais quand il dit de suspendre le loyer, il dit reprend au confinement, au sortir du confinement. Mmh. Mais l'argent, il ne rentre pas là, quand ils sont dans le confinement. Ben il faut encore attendre 3-4 mois pour que l'argent il rentre. Mais c'est sûr. Donc là, si l'entreprise elle est fermée depuis mars, là on a comment ils vivent, comment ils mangent tous les mois, comment ils payent son manufacture, parce que lui ne peut pas dire les repas, il y a un système, il n'a point rien. Non, il n'a point rien. Il n'y a point d'RSA, il n'y a point d'ACD, il n'y a point rien. Comment il fait? Est-ce que ces questions-là, le gouvernement la pose à lui ou nos élus aujourd'hui la posent à ça? On n'y pense pas. Non, mais de toute façon, faut trouver une solution. Hein. Et la solution n'est pas encore vraiment trouvée, quoi. Donc, Il faut pas. Il faut que peut-être que nos élus, nos députés et compagnie, ils posent en les bonnes questions. C'est sûr. Pas faire des effets d'annonce pour faire des effets d'annonce, ça sert à rien. Ça. Il faut que je t'y regarde réellement. Ben, quoi, qui l'a impacté, comment je l'ai impacté, c'est quoi le type d'entreprise et comment on peut faire pour les autres. C'est ça la question. Oui, c'est ça les bonnes questions. Et s'il y a des entreprises actuellement qui écoutent à nous, si Zone a fait trouver une solution, hein, donc un petit peu réagir sur le standard de la radio. Donc nous les preneurs, parce que nous connaissons aussi des petites entreprises également, hein, donc que là on est en arrêt tout ça. Donc si Zone a une solution, donc je t'y appelle tout à l'heure, donc on va redonner à Zone comme le numéro du standard tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça fait un petit point avec Ron Gourmandise également. Parce que Mivo elle vient de publier justement une petite annonce, enfin une petite publication justement, donc pour les entrepreneurs en difficulté, voilà, donc sur un groupe là, donc on va avoir plus de détails tout à l'heure aux alentours de 17h30. Christine, en tout cas il fait plaisir, donc là ça marque le temporaire justement, et puis il fait une petite pause, et bien sûr en tout cas, et puis essaye justement, on rappelle à haut. Bientôt quoi. Pas hein de soucis, mais bon, merci Christine, allez bonne journée à vous. Enfin, bon après-midi, bye bye. Merci, bye bye. Allez, 17h passé de 2 minutes en tout cas sur la radio pour ce lundi 6 avril 2020 en tout cas. Le stand à la buggée. Allez, on dirait Anali, viens vu parce qu'elle a vraiment buggé sa connexion internet. Hein. Amélie, justement, Amélie t'en parle de pain perdu. Mon amour, c'est Miguel fait ça, oui. Bah oui, Miguel fait pain perdu, mon noir. On croit qu'il est gars, un gouya vatea ou quoi. Allez, 17h passé de 2 minutes en tout cas sur la radio. Allez, on fait une petite pause musique. Et puis on revient avec le jeu des 5 secondes en tout cas. Et là, nous ça fait un petit poisson d'avril justement. Comme nous va rigoler un petit peu quand même. Hein. Donc nous va tirer au sort dans un instant. dans un instant, donc c'est le jeu récif. Et donc nous va faire croire qu'elle avait. Enfin, croire la personne justement qu'elle a gagné une nuit d'hôtel. Et après, forcément, c'est un poisson d'avril. Et il va rattraper avec le jeu des 5 secondes. Voilà la solution, justement. Bah oui, il faut tout le temps trouver une solution. Allez, on va s'écouter Mirati, tiens, avec en featuring avec Stony avec le titre Fly. On revient juste après sur la radio. 17h passé de 3 minutes. Kayam FM, 106.9 FM. Oui, désolé, mais ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Vraiment un gros bug.
gros, à la pause. Gros bug intense. Quoi. Enfin. Bah oui, enfin. Non. C'est éteint dans ma figure et j'arrivais plus à me connecter au fait. Ah bon, ben bah, inquiète pas, on te pardonne. Bon, juste avant la pause, donc m'avait appelé Christine d'ailleurs. Donc Christine justement qu'elle a fait la donne à nous un thème, d'accord. Donc enfin la donne à nous un thème par rapport les entreprises justement en difficulté. Et on a beaucoup d'entreprises en tout cas en ce moment les en difficulté par rapport ben voilà quoi. Donc la point d'entrée d'argent, etc. Et là, dans un instant, juste un peu le jeu des 5 secondes, nous va appeler Ron Gomandis que dans la même situation, parce que là, il voit qu'il vient de poster une publication justement concernant les entreprises en difficulté par rapport ben, justement ce coronavirus justement. Donc, nous allons en profiter. Ben, s'il y en a des messages, je vais passer. Si également, donc, s'il y en a des entreprises que là trouvent des solutions également. Donc ce type peut appeler 06 93 488 996 06 93 488 996. Donc les petites entreprises. Hein. Alors donc le temps que m'y trouve le numéro, comme il fait le tirage au sort justement à Naël, voir qu'elle réponde justement à Amélie. Parce qu'Amélie, Amélie, comme ça l'avait dit, elle a dit oui à Naël, la liste elle est longue, elle est tellement longue, rien de fait de spécial. Manger, Netflix, radio et dodo. Ainsi de suite, n'aurait bien mangé un pain perdu. Voilà. Ah. Ah oui oui oui. Ah ben oui, pain perdu, c'était très très bon. Donc, m'a envoyé un petit bout de pain à la poste pour si vous voulez. Ah ouais, ben on va y pour elle, on va y pas pour moi alors. Comment il travaille hein? On l'a pas demandé. Bah elle oui, a mais... demandé ou l'a pas demandé. Mais c'est pas des choses qu'il faut demander, hein. C'est voilà quoi, c'est ou off et puis voilà quoi. Bah on connaît hein, les enfants, ils crient pas, ils gagnent pas de lait. Non, elle a 10 enfants et puis elle a pas gagné pas tété. Elle est pareil, les miennes n'est plus classe quoi, la manière que maladie. Oui mais à haute dicton n'est pas bon ça. 10 enfants, ils plaît pas, gagnent pas tété. Ah. Ah je dis pas. Bah oui, ou sinon il n'est pas biberon. Sinon il n'est pas biberon. Eh, vous connaissez, autant pas la masse d'enfants, est-ce que vous connaissez bonne comptine, ma petite comptine d'avant quoi, les petites comptines musicales là. Je sais pas, on met une souris verte. Une souris verte. Amélie, est-ce que vous connaissez des petites comptines musicales? Dis-nous tout, nous venons. Non parce que. Ah oui, hein. Oui, on veut vidéo savoir. Vidéo seulement, hein, chanter et tout. Hein. Ah oui, chanter et après, m'y en fait cadeau. M'y en fait cadeau. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Y a pas de talent. Bah oui. Y a pas de parle-gain alors. Bah oui, ça même. Attends, oh. On est des pros, hein. On a raison. Oh. On a raison. Mia faisait un œuf au chocolat. Ah bah oui, en parlant de œufs au chocolat justement, donc Annaëlle, est-ce que ça fait où ça cache les œufs là notre cours dans ce magnifique cours ce dimanche? Alors là, je te dirais pas vraiment, j'ai pas acheté des œufs au chocolat. J'ai acheté une petite à mon fils. Voilà, oui. Ouais. Mais sinon ça, rien d'extra. Hein. Rien d'extra. Oui, non. Et il y a Ila Manzel qui dit coucou à l'équipe, bon courage à vous et bisous Mika. Il est vrai que Mika n'est pas là aujourd'hui. Mika fait une rente de l'équipe à force. En tout cas, Mika, il a des fans. Hein. Ah oui, Mika, on a beaucoup de fans quand même. Hein. Ah oui, hein, donc... ah là là. Allez, alors, le temps que Mary lire le message de Amélie, parce qu'avant de... Alors, les vrais... Alors, c'est où le studio de la radio de Kayam FM? Ben, en fait, le studio se situe justement à Saint-François. Ah, c'est Gabi qui pleure, c'est ça? Oui, c'est lui. Bah c'est ça. Alors donc le studio de la radio, bah c'est à Saint-François. Donc je veux faire une interview, Amélie, il n'y a pas de problème. On monte après le confinement. Voilà. Et on a beaucoup de bringel, et on a où. Ah là là, en tout cas. Là là. Bah vite, vous connaissez pas le slogan de la radio, c'est Kayam FM, c'est la seule radio, il faut monter à toi, quel côté bringel il charge, quel côté il arrache et quel côté fait cuit. Elle a dit merci à Naël, la mettre. Ah ben justement, m'a fait bringel n'a pas longtemps là, m'a fait un nashi parmentier, ouais. Bringel avec porc.
D'accord. Ah ben c'est ça. Il m'a fait ça samedi, quoi. Ah ouais. Et il a fait une photo. Bah oui, il est sur mon Facebook. On a fait regarder. Bah non, oui, les vrais CD n'étant pas occupés au trop. Elle a dit on est trop occupé justement là pour confinement. Oui c'est ça. Mais il en a plus que 20 heures de radio. c'est rare. Les vrais que on... Alors donc me rappelle quand même que c'est en période de confinement que j'ai fait des émissions Tropical After en semaine. Voilà, parce que sinon, je ne trouve pas en semaine. Et on a encore pour aller. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Amélie qui dit la pluie risque de tomber. Ah, on a encore allé. On a encore 15 jours là pour aller encore. Ouais, encore 15 jours, ils pensent à prolonger ça. Non mais c'est bien parce que du coup nous trouvons un fait bouffer quoi. Donc, enfin surtout moi. Ben, c'est clair. Hein. Christine. Christine qui dit Christine qui dit hello. Ah ben oui, hello Christine. Christine du côté de la possession, salut hello. Quand même. Voilà donc dans. How are you? On commence car aux anglais là. Amélie, dis à nous toutes. On peut envoyer une petite vidéo tranquille avec voilà quoi. Avec ou chanter une petite comptine pour nous. Au moins nous essaye, voilà quoi. Nous essaye pleurer. Oui, parce que tout à l'heure, Daviane, elle essaye pleurer, mais bon. Ben, j'ai pleuré pour de vrai. Non, elle n'a pas pleuré pour de vrai, ou ah. Pourquoi il pleure pour de faux? Bah oui. Ah, Oriscab fait comédienne. Ah oui. Alors, Christine... Qui te dit que j'ai pas été comédienne dans ma vie antérieure? Attends, nous va demander Yoa, hein. Comme il va voir elle la prochaine fois. Ou comme il est à le téléphone. On va essayer de garder. Mais il est vrai, effectivement, nous avons fait un équipe comédien et comédienne. Christine qui nous dit, Miguel écoute Azote, il est trop top. Ah bah oui, parce que ce Facebook Live, Christine, non même. Ah là là. Bon allez, nous, ça va sur le jeu des 5 secondes. On est bon? Oui. Ah, le réseau, il bug quand même, hein. C'est pas bien ça. Il y a Sylvestre qui nous dit... Tu t'es dit oui. Ah oui. Tu m'as pas entendu? Oui, je t'ai entendu. Ah, m'entends pas. Sylvestre qui nous dit salut. Bah salut Sylvestre. C'est la Saint-Sylvestre. Salut. C'est la Saint-Sylvestre brumain. Ah non, il faudra refaire une Saint-Sylvestre. Hein. Après tout ça, il faudra qu'on refasse le 31, le 1er, le 25. Tout. Ah oui, nous faire un retour au futur. Enfin, un retour au passé. Ah, un retour dans le passé, mon cher. Retour au futur. Ah ouais, quand même, d'accord. Bon, allez, nous ça va sur le standard. Donc allez, nous fait le jeu des 5 secondes. On appelle Stacy du côté de Sainte-Marie. Alors, pour... ah oui, mais le standard a bugué, m'a oublié, moi, de redémarrer le standard. Alors, bon, bah, le temps que le standard, il redémarre, c'est qui, justement. C'est pas possible, hein. Oui, c'est vrai que bah oui, en fait là, vous connaissez, comme il fait jamais des émissions en semaine, voilà ouais, les appareils, les appareils, ils comprennent pas, ouais. Donc voilà quoi, quand l'habitude travaille le soir, il travaille que le soir. Ouais. Ben oui, un bébête la nuit, hein, pas notre faute, sous un bébête la nuit. Hein. Bon, alors, pourquoi on peut pas redémarrer, là? Le standard, il veut jamais redémarrer. C'est bizarre, quand même. Bon, ok. D'accord, si vous voulez. Alors, 2 secondes, mais redémarre juste le standard. Annelle, on peut chanter en attendant. Je peux dire des bêtises? Oui, je peux dire des bêtises? Mais non. En tout cas, vous allez en direct avec nous, hein, Anaël et Dani, sur Cayenne en FM. Mais c'est que tu passes un bon moment. Donc, n'hésite pas à envoyer à nous votre bon petit message. Nous l'avons aussi en Facebook Live sur le Facebook de Tropical Night Live Tour. Donc, oui, on a l'habitude d'entendre à nous le dimanche soir ou le jeudi soir, ou voilà, le soir de manière générale. Mais c'est vrai que là, exceptionnellement, on est avec vous et chez vous de 16h à 18h, donc du lundi au vendredi, une émission spéciale confinement. Donc franchement, j'espère que vous passez un bon moment avec nous, parce que nous,
Ben voilà, ça nous fait plaisir de mettre un petit peu de la gaieté, de mettre un petit peu de la joie dans votre foyer, de mettre un peu de musique aussi. Donc si vous voulez entendre une musique, ben n'hésitez pas, hein, vous passez votre dédicace avec la chanson que vous voulez entendre. Donc également intervenir pour qu'on puisse nous savoir comment ça se passe votre confinement. Je sais pas moi, l'école à la maison, comment dire, qu'est-ce que vous faites comme plat, vos recettes. Que ce soit sucré ou salé. Bon, après, faites très attention. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, généralement, on a tendance à beaucoup manger. Mais n'oubliez pas, il faut aussi faire du sport. Notre ami Dany qui est revenu avec nous. Dany, oui. Ça va? Oui. Il a pu redémarrer ou pas? Oui, là, il s'est redémarré. Attends, gars, s'il fonctionne à la STR. Bon, il fonctionne. Ah, on va voir ça. Allez. Allez, le jeu. Bon, on y va pour le jeu alors. Le jeu des 5 secondes en tout cas. Alors le temps que m'il y a les commentaires justement, donc il y a Sylvestre qui dit à bientôt pour un live. Elle a dit salut Anaëlle. Bon, ben salut Anaëlle. Salut. Moi m'y compte pas moi alors. Non, ça tu comptes pas. Ah bah oui. Désolé. Tu sais, les brunes comptent pas pour des prunes, hein. Ouais, Oulin brunette, vraiment. Non, alors Nina Christine qui dit Dany ou l'a bugué. Non, on m'a pas bugué moi. C'est... Brunette, hein. La ouais, bah m'y va, oui, c'est ça, oui, non, mais elle est bon, non, mais dis pas rien, c'est bon. Allez, on appelle Stacy du côté du standard pour le jeu des 5 secondes. Et en fait, nous va faire croire que la gueule a eu un bug informatique, hein, parce que effectivement, nous l'est encore au mois d'avril. Et pour ceux celles justement. Oh hein. Mais non, pourquoi tu fais des blagues encore? Mais attends, hein, t'es nul, hein. C'est bien, j'aime bien rigoler, moi. Faut changer un petit peu la tête de moon quand même. Hein. Oui, bah attends, déjà les gens les confinés, déjà les gens les déconseillés, la tête pareil, un gros confit citron, et wesh. Confit citron, vous l'avez fini. Bon, bah les bons, il fera pas la blague alors, parce que c'est où, hein. Parce que là, pour moi, pas les sentiments, hein, mais voilà. C'est nul, franchement, on peut pas faire ça aux gens. Allez, nous sommes les gens sont pas bien, là. Oui, bien sûr, mais on aurait dû faire oh, la blague. Allez, on appelle Stécie en direct à la radio. Pour le jeu des 5 secondes. Bon, ok. Il répond pas, mais c'est pas grave. On passe à notre côté alors. Alors, donc, qui ça n'appelle pour cet après-midi? On appelle du côté du tampon. On appelle Nathalie Chocolat. Ah, nous rappelle un petit coup, là? Non. Allô? Allô? Ah oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Il pense que c'est Stécie, c'est ça? Oui, c'est Stécie. Oui, Stécie. Salut, c'est Dany de la radio Kayom FM. Elle est Nanel, qui est avec moi cet après-midi. Bonjour Cécile. Bonjour. Oui, nous l'avons en direct à la radio cet après-midi pour le jeu des 5 secondes. Oui. Alors, donc... alors, 2 secondes, hein. parce que vous l'avez joué justement sur le jeu récif par SMS au 80-90, c'est bien ça, hein. Oui, donc, c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, à 11h, passé de 51 minutes et 0,7 secondes. Oui, c'est alors ça. Donc le principe du jeu des 5 secondes justement. Alors donc là où on arrive en direct à la radio, donc où la gagne entre guillemets le bon cadeau à l'hôtel Le Récif, d'accord? D'accord. Le principe du jeu justement donc c'est de garder le cadeau, d'accord, ce bon cadeau. Il faut répondre à 5 questions, donc 2 thèmes au choix. Il faut avoir donc les 5 bonnes réponses et de répondre avant les 5 secondes. D'accord? Donc si d'accord. Le délai des 5 secondes a été dépassé, et également une mauvaise réponse entraînera la perte du cadeau. Ah. Vous l'avez compris un petit peu le principe du jeu alors, des 5 secondes? Alors pendant 5 secondes, il y a 5 questions à répondre. Non, en fait, il y a une question, donc chaque question, il y a 5 secondes, d'accord? D'accord. Donc il faut Nina les 5 bonnes réponses. D'accord. On est bon? Alors, me donne à haut 2 thèmes au choix. Donc soit nous pose à haut, enfin moi me pose les questions sur les bandes dessinées, d'accord? Une petite 5 questions sur bandes dessinées.
Ou sinon, on nous fait une petite question sur les quiz cinéma. Alors, ce sera les quiz cinéma. Quiz cinéma, d'accord. Alors, juste le temps que m'y enlève cette base-là. Alors, est-ce que déjà, là, on entend le temps ? On entend le temps, là, ou pas ? Oui, mais attends. Ok, elle est bon. Vous les prêtes ? Vous les prêtes ? Oui, je suis prête. Alors, donc Annelle, attends, parce qu'Annelle l'a bugué. Bah, Annelle, son téléphone n'a pas tête. Oui, parce que vous n'êtes pas tout seul. Alors, donc du coup, je les prête, m'y pose la première question, d'accord ? Alors, qui prononce cette phrase dans le film Fly Club ? Donc, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Voilà, par nous posséder. Je sais pas. Ah bah voilà. En plus c'est une personne connue quoi. Est-ce que l'a déjà entendu de parler de Brad Pitt? Oui. Bah voilà, c'est lui qui dit ça. Ah, mais quel dommage. Quel dommage. Oh là là. Ah, oui. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est ça, hein. Bon, comment se passe le confinement, Stacy? Ben, ça se passe très bien. Ouais. On apprend à être en famille. Mmh. Et on apprend aussi à passer le temps parce que ça commence vraiment à ennuyer, mais bon, c'est pas une bonne cause. Ouais. Ben oui, c'est pas une bonne cause quand même. Il faut rajouter de cases. C'est ça, il faut rajouter de cases en tout cas. Voilà. Ouais. Est-ce que Stéphine a des petits messages à passer en direct à la radio? Oui, ben, je fais bisous à ma mamie de Sainte-Suzanne. Mmh. À ma famille, tous les amis. À tout le monde de la Réunion, ben oui, réseau de cases, c'est pour la bonne cause, ben on va combattre ça ensemble. Yes. Alors Stacy, si vous voulez participer au jeu, d'accord, oui. Donc on va y Dany, D-A-N-Y par SMS au 80-90. Donc si vous voulez tirer au sort cette semaine, mais rappelez-vous cette semaine, voilà. En d'accord, sachant qu'il faut écouter la radio quand même, hein. Du côté de Sainte-Marie, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Donc la fréquence c'est 106.9. Sur Sainte-Marie. Voilà. D'accord. En tout cas, monsieur Tao, très bon confinement et puis bonne fin d'après-midi en tout cas sur du côté de Sainte-Marie. Hein. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye bye. Au revoir. Bye bye, Stacy. Allez, 17h passé de 25 minutes. Bon, elle a perdu. Hein. Oh mince. Désolé, mais on n'était pas parti pour des impératifs familiaux. Ah d'accord, oui. C'est pour ça qu'on m'a vu le téléphone à Batatea. Hein. Non, c'est ça, hein. C'est ça, désolé. Mais dis là, l'appel est pas bon. Allez, nous appelle un petit coup oui. Evelyne de Rungomandi justement. Parce que m'a vu qu'elle a posté justement pour les entreprises en difficulté. Donc nous va avoir plus d'informations en direct à la radio. Sachant que Christine, justement, là, soulève un petit sujet là avec nous, tout à l'heure. Alors. N'espère ma patron de numéro. Non, c'est ça. S'ils répondent. Bon, il répond pas. C'est pas grave. Mince. Peut-être va rappeler dans un instant, peut-être qu'il est occupé, je sais pas. Hein. Donc voilà. Oui, donc, parce que en fait, on dirait bien des soucis d'internet de mon côté. Hein. Parce que la reste quand même, voilà. Ok, m'a vu un story là, mais une personne qui l'attend de des avocats. Ouais, en vrai, réactualisant la page Facebook. T'es une adémoniose quand même. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que vous l'avez fait un... Mais bon, il y a plein de gens là qui partagent plein de choses là en ce moment. Ouais. Il y a de tout, hein. Les réseaux sociaux, ça explose là. C'est sûr. On salue quand même Laurence. Laurence dit coucou, comment il est? Ben ça va au même Laurence. Laurence appelle à nous. Essaye faire à nous un peu. Parce que Nanou est triste. Oui, parce que Laurence est une blonde. Une blonde aux cheveux noirs. Et c'est quoi le rapport? Ben elle est blonde et alors? Oui, parce qu'elle elle raconte des bonnes blagues.
vu qu'elle est blonde. D'accord. Bah oui. Ounena la brunette et la blonde. Laurent, s'appelle à nous, on se donne. Donc, appelle à nous un petit coup. 06-93-488-996. 06-93-488-996. Voilà. Bah Christine. Christine a dit, la lève un petit coup son mail et il a dit, je veux la parole. Ah là 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 là. Je veux la parole, Christine. Oui, Christine, vas-y. Je veux la parole, dis-nous tout. Voilà. Imagine ce que c'est la fin du monde. Imagine, hein. Que ça on veut dire, c'est quoi tes derniers mots pour Annaëlle et pour moi. Oh, je pensais qu'elle aurait autre chose à faire que nous laisser un mot. Hein. Ben oui, ben, non, alors se considère moins bien comme... Déjà, tu es là, il a trompé, tu vois. Il a dit oui, ben, c'est... parce que m'a dit, bon, alors, devine qui ça, Emile. Il a dit, c'est Bernard. Il m'a dit, non, c'est pas Bernard. Il me dit, c'est pas Bernard du tout. Hein. Alors, toi, en deux chauffeurs de bus, Bernard et autres... Ah, quand même. Alors, il y a Mario qui dit une vraie, une vraie, une fausse blonde. Ou une vraie ou une fausse blonde. Mais non, mais je sais pas. Je sais pas. Lol. Ah. Mario, appelle à nous un petit peu. Arrête d'écrire. Passe à nous un petit coup de fil quand même, mon enfant. Alors, donc, là, dit Christine a dit non du tout. Va la faire aux autres un coucou. Miam azote comme crête d'or. Oh, nous aussi nous yam à eau, Christine. Ah oui, comme crête d'or, n'importe quoi. Ah vous citez comme crête d'or, t'es. Mais n'empêche là, ce week-end, ça va être un week-end quand même assez difficile pour la Réunion, hein, parce que nous, Pâques, c'est quelque chose quand même de très sacré. Très familial. Oui, hein. C'est ça. Très très sacré. C'est sûr que là pour le coup, mais bon, on doit tenir bon hein, parce que c'est vrai que là, j'entends un petit peu aux infos que les gens commencent à se relâcher, commencent à sortir un petit peu comme ils veulent. Hier, peut-être pas ici, mais en métropole, ils s'est lâché un petit peu. Mmh. Vous savez, tant qu'on ne respectera pas le confinement, on sera confiné, hein, quoi qu'il en soit. On prend l'exemple de la Chine. Moi, j'ai regardé l'émission. Hein, sur comment la Chine a en quelque sorte gagné la guerre, hein, parce que eux, ça va mieux chez eux. Ils ont fait vraiment un confinement strict. Donc le problème, c'est que nous, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans notre culture. La Chine, ils ont un statut politique assez particulier qui fait que automatiquement, ils sont entre guillemets soumis à l'État. Oui. Nous, c'est pas notre cas, vu qu'on est en démocratie. Sauf ça crie. Si on fait quelque chose, ça crie. Et quand ça devient sévère, on crie. En fait, on crie tout le temps. Mmh. Et c'est ça notre point faible en France, de manière générale. Je peux dire en France, je parle pour la Réunion. Hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour la grande majorité, on est faible. Et du coup, ben, ça ne va pas s'arranger. Hein, parce que les gens, ils prennent pas encore au sérieux. Parce que peut-être qu'un membre de leur famille n'a pas été touché ou autre. J'ai l'impression que pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait une personne de chaque famille qui est touchée pour que les gens se rendent compte. Non, nous on va bien, nous on fait que notre petit manger, on fait notre petit pain, on fait notre petit brioche, on fait notre petit truc, tranquille chez nous. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde à la Réunion. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui travaillent. Donc vraiment, vraiment, encore une fois, j'insiste toujours là-dessus depuis qu'on fait l'émission. Oui. Franchement, respectez quoi, parce que on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mmh. On a fait que le 14 juillet chez nous. Hein. C'est sûr. Comme ça. C'est sûr quoi. Il y a Marie qui dit j'ai des amis qui sont un peu fous, je pense, peut-être à cause du confinement. D'accord. On devient tous un peu fous. Ouais, hein, c'est ça. Le confinement, hein, donc. Il y a Laurence qui dit donc la Chine, le coronavirus revient là-bas. Revient ? Apparemment, il revient là-bas. C'est une info qui... ben, je sais pas. Donc je sais pas, Laurence. Ah, je sais pas. J'ai pas entendu cette info. Moi, j'ai entendu surtout que bon, on dit pas que peut-être qu'elle veut dire que ça vient de là-bas. Je sais pas. Hein. Ben, appelle Laurence. Je t'explique un petit peu. Laurence, toi, tu es vraiment une blonde. Donc, appelle à nous. Appelle à nous, soit il vient là-bas, il revient, enfin, je sais pas. Oui. Mais en tout cas,
c'est mieux. Je dis pas que ça s'est arrêté, hein, mais c'est mieux, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on... Je sais pas. De toute façon, tant qu'on n'aura pas connu le pic, on va rester en confinement, ça c'est clair. C'est sûr, ça c'est clair. Donc, et à Marie qui dit... Je suis pas la ministre, je suis pas le président, mais c'est sûr que tant que le pic n'est pas passé, ils vont pas nous laisser sortir, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est sûr. Il y a Marie qui dit donc ils ont peur pour le lien que j'ai envoyé, ils pensent que c'est de l'arnaque molle. Hein. Non mais c'est pas de l'arnaque, hein, nous les vraiment en direct. Voilà, nous les vraiment en direct. Donc Marie, hein, donc oui, c'est banal, un peu fou quand même, elle est vraie. Hein. Alors, il y a Amélie qui dit où ça attend longtemps, mais qui peut pas chanter du tout. Ah, on croit que Miguel chantait où? Pour la vidéo. Pour les, le cantine. Voilà pour... Alors, Annelle a bugué, non? Et il est vrai, la connexion est un peu faille, quoi. Hein. C'est pas bien, ça. Oui, lui aussi, il n'est pas chanté, mais... Alors, mais les vrais clients sont en robot, quand même, hein. Alors, 17h passé de 34 minutes. Non, j'ai pas bugué, je suis toujours là. Hein. Oui, bah c'est moi, c'est de mon côté, il bug. Non, pas... Oui, c'est ça, il entend un robot. Là, il entend pas rien. On va faire la langue des signes. Ah là oui, là je t'entends. Laurence qui dit donne ton numéro, m'appelle. 06 93. En plus, il affiche la page Facebook, hein, mais il comprend pas. 06 93. 488 996 06 93 488 996, voilà le numéro du standard. Laurence, est-ce que tu as noté? Appelle à nous avant 18h. Après 18h, tac barreau. Ferme la porte, nous confine encore plus. Voilà, nous tac barreau. Et voilà. En parlant justement, donc si Zol est à l'écoute en ce moment, bah, il reste quand même 25 minutes à passer ensemble. Et bah, pendant ces 25 minutes, si Zol veut tenter de gagner donc 1000 euros cash, c'est le moment de jouer justement sur votre téléphone. Peut-être que Zol est gagnant du jeu des 1000 euros cash aujourd'hui. Donc si Zol veut jouer, il faut envoyer le mot cash par SMS au 8090. Cash par SMS au 8090. Voilà. Alors, donc, Lisa qui dit, il bug sérieux, dommage. Ah bah oui, c'est effectivement, il bug beaucoup, hein, donc c'est pas de notre faute, mais c'est la faute du serveur internet, quoi. C'est vrai qu'on peut pas changer, hein. Donc, des fois, on en a des bonnes connexions, hein. Donc, comme vendredi, on a eu quand même une bonne connexion, une bonne émission quand même. Mais quand il arrive le début de semaine, c'est vrai qu'il bug. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bah oui, donc, si tu veux écouter l'émission, justement, donc sur le www.tropicanight.re, www.tropicanight.re. Voilà, donc, 17h passé de 36 minutes, en tout cas, voilà. Alors, donc, Laurence, est-ce que tu nous appelles ou pas? Alors, donc, il y a Mario, entre-temps, qui l'a dit. Alors, il relit son message, hein, parce qu'on m'avait dit, on l'a dit comme ça. Non, il appelle demain. Voilà, donc, c'est promis. Bon, ben, demain, ça sera Leslie qui est là, demain. Hein. Donc, on fait une petite pause. c'est ça. Annelle réagit. Yes. Annelle dit yes, yes. Ah là 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 là. Annelle, vous est bien? Yes. Allô? Annelle, tu me donnes 1000 euros? Yes. Non. Non. Ah, on peut dire yes, hein, on peut dire oui, hein. Non, non, je... non. Alors Anna, donne-nous. Alors nous ça va sur le standard. Allô. Salut, c'est Laurence. Salut, ça va Laurence? Bah il fallait, on vient de finir de bosser, donc oui, bah revoilà. Ah te revoilà, il fait longtemps qu'on t'entend sur l'antenne. Ben, il est normal. Mm. Il travaille. Ah moi je travaille pas mal alors. Ah ouh, non.
Travaille pas mal. Courage bah, en tout cas. Bah, courage oui. À toi. Bon, Anaëlle, que avec moi, elle est un petit décalé, enfin un petit décalage quand même. Donc voilà. Ah. Ça, comme d'hab, hein. Bah oui, hein, comme d'hab, hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Exactement. Bon, Laurence, oui. On fait du télétravail, ou soit à 17h, c'est ça? 17h, oui, mais bon, je suis pas la pointeuse, hein, donc il peut déborder. Ah bah oui. Bah, en plus, c'est mal payé, normal. Ah bah, écoute, mais bien ce que je fais. Bah, c'est ça. Alors, ouais. T'as là que ça au Tibudiano, que le coronavirus l'a renié en Chine, c'est ça? Oui, quand même, la pandémie, bah, hey, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je suis blonde, mais pas à ce point-là. Oui, t'es blonde, mais bon. Hein? Oula. Et là, j'ai... Il est méchant, il est méchant, Daniel, franchement. Non, un journal très, très sérieux. Qui met la pandémie du coronavirus n'a pas totalement terminé et reprend de plus belle en Chine il y a 3 jours. Ah ouais, quand même. Voilà. C'est sérieux, hein, c'est. Il marque qu'il va avoir, hein, un retour au confinement pour 600 000 Chinois. Ah ouais, quand même. Waouh. Bon, après. Ah ouais, quand même. Voilà. Allez, sur BFM, ils en parlent. Hein. Bon, puis TV, et puis je ne sais plus quoi, parce qu'il faut en dire 3. Voilà. Du coup ils en parlent, hein, quand même, donc c'est pas encore, on n'est pas encore fini. Ouais, faut pas non plus en faire hein, parce que sinon les gens ils vont fruire encore dans les magasins, ça sert à rien, vous avez déjà c'est tout sûr mangé. Il n'y a plus rien à manger. Oui, ah oh, fait quoi de mon nom de magasin dans le supermarché. Ah, quand même, ouais. Ah. Non, mais c'est cool, hein, franchement, il y a peut-être ce problème de virus qui malheureusement fait beaucoup de décès en métropole, mais on est quand même bien ravitaillé, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Hein. Pas non plus, voilà, faut pas polémiquer non plus trop, parce qu'après, les gens, c'est vrai que ça faut, c'est vrai qu'on n'a pas accès aux masques, aux gants, tout ça, mais... malheureusement, parce qu'ils n'ont pas voulu rouvrir l'usine française, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ouais, qui est en Bretagne, ils n'ont pas voulu la rouvrir, parce que ça coûte trop cher, la main-d'œuvre française coûte trop cher, donc on préfère ramener ça de Chine, et qu'après c'est moisi, comme on a vu il y a quelques semaines. Mais tout va bien, hein, on va faire notre petit masque nous-mêmes, voilà. Et oui, enfin, pour le moment, tout va pas bien, parce que du coup, tout à l'heure, effectivement, on a eu quand même un appel, enfin, moi, m'avait passé un appel justement à Christine. Donc, en ce moment, pour les petites entreprises, justement, donc pour les petites entreprises impactées, donc en difficulté, donc les pas bien pour autres, quoi, en ce moment. Hein. Ben, donc, en plus, ils parlent de l'aide, là, de l'aide de 1500 euros. Il faut savoir que pour avoir cette aide-là, parce que bon... je travaille aussi. Il faut quand même ne pas déjà avoir de dette sociale et fiscale. Oui. Ce qui est un peu difficile depuis la crise des gilets jaunes, tout ça. Donc il y a 3/4 d'entreprises, ben, elles ont des dettes, donc ils ne pourront pas bénéficier de cette aide. Ça, faut le savoir aussi. Moi, j'ai des amis qui ont mis la clé sous la porte. Ah ouais. Déjà. Oui, ce que. Ben, voilà. Ce que. Économique. Ce que Christine nous a dit tout à l'heure, justement, donc on a des petites entreprises qu'elle a mis les clés sous la porte. Donc, puisqu'elle y soutient justement donc les petites entreprises. Donc, effectivement, donc il n'a point vraiment le choix, quoi. Donc. Non, ils n'ont pas le choix. Ceux qui n'ont pas d'employés, moi, j'ai pas mal de mon entourage qui sont auto-entrepreneurs. Ben, ils sont. Ben, c'est pareil, hein. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus travailler, parce qu'ils ont du taf comme les coiffeuses, les esthéticiennes, des choses comme ça, qui n'ont pas de personnel qui travaille à leur compte. Ouais. Ils sont bien dans la merde. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il va y avoir une recrudescence de fermeture d'entreprise. Déjà là, il y a eu 2 gros groupes quand même qui ont fermé. Donc il y a quand même 300 personnes au chômage. Ouais, c'est voilà, donc n'est pas vraiment calculé en fait pour justement les fermetures, etc. Donc Les grosses entreprises, eux, ils arriveront toujours à s'en sortir. Oui, mais les petites entreprises, hein. Et c'est ça, les petites. Ouais. Moi, là où je travaille, on est une PME. On a un milieu particulier. Pour l'instant, les gens, tant qu'ils paieront, ça ira. Le jour qu'ils vont plus payer, qu'ils vont plus pouvoir payer leur loyer ou des choses comme ça, ben moi je suis au chômage aussi. Hein. Ouais, ouais.
Partout pareil. Hein. Bah, c'est risque et péril justement pour toutes les entreprises. Hein. Donc, confinement, on ne connaît pas jusqu'à quand il va durer. Mais effectivement, hein, donc voilà quoi. Même après pour les reprises des activités, hein, donc pareil. Hein. Donc, ouais. Bah là, pareil. Hein. Comme tu dis, même les écoles, je veux dire, moi, ma fille, on reçoit des mots comme quoi c'est probable au mois de septembre, la rentrée. Mmh. Oui, oui, donc... Bah oui, ça veut dire tout le personnel qui est employé en contrat, les contrats mairie, on va dire, parce que c'est toujours géré quand même par eux, bah, tout cela, ils sont au chômage, en fin de droit, ils vont se retrouver au RSA, ça va être une catastrophe. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est clair. Ah voilà, pour une fois, tu vois, je raconte pas de bêtises. Bah pour une fois, bah oui. Hein, ah. Pour une blonde. Pour une blonde. Attends, tu la blague du jour. Bah oui, allez, vas-y, sens-moi ta blague du jour. Non, 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 là, je l'ai pas en tête. Bah, voilà. Je l'ai pas en tête. Comme quoi t'es une fausse blonde. Dommage, hein. Bah oui, comme quoi t'es une fausse blonde. C'est bien ça. J'adore Laurent. J'adore. Il y a une fausse blonde et une brunette. Ah bah la prochaine fois, je me mets dans le qui est tout seul. Bah oui, ah, quand même. Bon, bah en tout cas, Laurent, excuse-moi, c'est plaisir. Si tu te sens un petit peu toute seule, hein, j'ai pas retenu ton prénom. C'est Annel. Je suis blonde, hein. Voilà. Oh. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Enchanté également. En tout cas, merci pour ton intervention, franchement. C'est sympa. Rien. Laurence, on te retrouve demain en direct à la radio. Encore? Bah, j'ai écoute, pas fatigué. Bah non, hein, raconte. Bah demain ça sera la couillonniste alors. Hein. Bah oui, si tu veux, demain il y a Leslie qui sera là. C'est et Leslie en fait, Leslie en fait, tu vois, si je raconte elle une blague, elle varie automatiquement. Elle est programmée pour ça. Oui, parce que. Il y a qui rigole pas. Hein? Il y a qui rigole pas non, aux blagues mais... parce que généralement si j'avais été tourné vers toi. Oui c'est ça. Et comme elle est hypnotisée justement à ne pas rire. Des mauvaises blagues, ben voilà. Ouais, c'est ça. Oui, mais elle a fait un auto-hypnose, tu vois, mais elle a mis un suggestion justement dans ma tête. Oui, ou Gay fait ça. Hein. Même Annelie Gay fait depuis ses ailes, justement. Tu vois. Ben voilà, on les programmer pour ne pas rire. Justement, d'ailleurs, il faudra m'y poser la question avec Thomas pour voir si les Gay fait de l'hypnose. En vidéoconférence là comme nous fait là. Peut-être que les. Je sais pas. Hein. Peut-être, hein. Faudra m'y poser la question. Pour voir si capte ou pas. À voir. Hein. Comme de Leslie est déjà captivé, donc pourquoi pas quoi. Hein. Laurence, Laurence, on retrouve. À bientôt. Ouais, okay. Allez, voilà. Allez, ciao, bye bye. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée à toi aussi. Allez, 17h passé de 46 minutes. Allez, il y a Marie qui dit ça va bientôt terminer. Alors je vous souhaite une bonne soirée et bon confinement. Lol, mets ta chanson pour moi. Arrête de causer. Coucou Marie, on a raison. Arrête de causer. Mets ta chanson là. En tout cas, bonne soirée à toi. Merci de nous avoir suivis. Elle dit mets ta chanson. Bah oui, quand on fait l'émission, nous cause, nous aime causer, nous. Ça pas fait l'émission il y a que musical quand même. Ah nous casse les biscuits. Cassons les cuits. Ah oui. Alors Amélie, qui peut s'y avait répondu à moi. Ah là, dit Amélie, là dit à la prochaine émission. Voilà. Donc Amélie, nous retrouve. À la prochaine. Nous retrouve. Hein, reste connecté. il y a Laurence qui l'a encore commenté. Le Facebook Live, Laurence qui dit ça même. Quoi ça même? Alors dis-nous tout ça même, c'est quoi ça même? Ah. Alors, Annel. Oui. Donc ce soir c'est quoi? Ce soir que ça vous a mangé? Ah mais attends pas où? Caribichi. Ah oui, Caribichi. Caribichi que maman mange ça ce midi, ben je rebelote à soir. Bon, ben c'est bien ça. Alors. Est-ce que nous a fait qu'on aime bien ce petit jeu là avec vous. Le petit quiz musical là. Avec où tu déconnes sur moi. Entends-moi là. Allô. Coucou. Alors, oui, il est vrai. Et je t'entends. Tu m'entends.
Oui, alors, donc, me disait que nous va faire, avant, nous va prendre, nous va téléphone, justement, une dernière personne, d'accord, pour le jeu, donc, quiz musical. D'accord. Allô. D'accord. C'est bon. Ok. Bon, allez, n'appelle. Oui. Nous va, bah justement, comme l'autre fois, on avait fait, justement. Et nous va offrir un CD, hein, donc de Anaël, d'ailleurs. mes finances encore. Hein. Oui, après... on a l'argent. Bah oui, hein, deuxième CD bien acheté, là. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On appelle Coralie du côté de Sainte-Marie. C'est parti. Une petite queue musicale quand même. Hein. Coralie du côté de Sainte-Marie. Le monde dit à l'argent, n'importe quoi. Allô? Allô? Non, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Mais bien sur le portable de Coralie? Oui, oui. Oui, Coralie, bonjour. Nous l'est en direct ce soir, cet après-midi, donc sur la radio Kayam FM, d'accord? Oui. Et nous avons un petit jeu pour en direct à la radio, un petit quiz musical. Oui. Donc, est-ce que vous voulez participer ou pas? Oui. Alors, donc, m'y mettre une chanson pour vous, d'accord? Et il faut dire moi le nom de l'artiste et le titre. C'est bon? Ok, et d'accord. Et si vous connaissez, ben, m'y donne ou m'y offre un cadeau, c'est bon? Ok, d'accord. Alors, donc, m'y mettre la chanson, deux secondes. Alors. Nous t'es des connes sur moi. T'as que n'a le de tourner, mais sur un sans moi. Connais pas. Hein? Je connais pas. Vous connaissez pas que c'est chantin? C'est non, eux? Du tout. Arrête. T'es pour des connes sur moi, là, non? Non, mais que je ne sais pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, mais vas-y, qui sait, j'ai chanté ça, alors. Qui sait, chante mon sou, t'es déconne sur moi. Bon, déjà, le titre, c'est où t'es déconne sur moi, et c'est Anaël qui chante ça. Allô? 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 Je pense qu'on l'a perdu, là, non? Ouais, non, mais il est toujours en ligne avec elle, justement. Allô, allô. Bon, d'accord. Bon. Bah, la coupée, hein. Là, la coupée. Bon, oh, bah, en tout cas... Perdu, Coralie. Hein. Coralie, si vous écoutez à nous actuellement, ben voilà, elle a été coupée. Alors, connaissez... Elle a été coupée. Oui, elle a été coupée. Ah, ça même... Alors, Laurence qui dit la musique. D'accord, je sais pas. Laurence, il dit des phrases, il dit des mots à moitié, quoi, je sais pas. Et vous connaissez qui s'est un peu entendu aujourd'hui? Oui. LB Photographie. Un miracle. Qui on l'a pas entendu? Oui. Un miracle. Elle est en repos aujourd'hui. Un miracle. Oui, il est vrai, un miracle. Hein. D'habitude, il vient en d'haut. Ben c'est ça, d'habitude. Bizarre, hein. Oui. Bizarre, le mec l'a pas du tout. Comment encore? L'a pas du tout intervenu aujourd'hui. Ben, bizarre, ça. Ben, est-ce qu'il est endormi? Est-ce qu'il est en train de faire? Tu trouves des affaires bouffées? Ah, ça se peut. Ben, vous savez pas quoi bouffer, mais il peut faire une affaire. Oui, il peut faire une affaire avec lui. Banel, il va réveiller comme ça, puis là. Ben, il va réveiller, va dire mince. Ouais, dès que t'allais, vas-y, t'es ben mal raté aujourd'hui. Hein. En tout cas, sur la page de Tropical Nail Live Tour, il y en a quand même 13 997 j'aime. Quand même. Eh ben, ouais. C'est bien. Alors, c'est donc, bien, c'est bien. Un défi ce soir, donc si autres, si il y en a 14 000 d'ici 18h30, ou 18h30, hein, 14 000, donc la 14e personne, la 14e 1000 personne, il repart avec la un cadeau. La 14e millième personne. Ça même. La 14 millième personne. Voilà, c'est ça.
il repart avec un cadeau. Voilà, donc The Team Jam tout de suite hein, sur la page de Tropical Night Live Tour. Et aussi, n'hésite pas à mettre j'aime sur la page de Kayom FM. Tout à l'heure, ça dit Maté, Adonis, il fait la pub bien pour... N'hésite pas à mettre un j'aime sur la page de Anel, chanteuse KNG, Anel, animatrice Tropical Night, Tropical Girl. Ah, mais... La pub aussi, alors mais... Ah, ou la peau déconne, tu moi. Ça passe un petit peu suivre, hein, moi. Voilà. Et ben oui, ben moi aussi, il fait de la pub. Ben c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Alors, du coup, alors, Laurence qui dit toujours pareil, mais il aime la musique. D'accord, mais il pense qu'il aime la musique d'Anel, alors. Enfin, je sais pas, hein. Mais bon. Alors, quoi ça fait peut-être qu'elle aime la musique tout court, hein. Ben peut-être. Laurence qui dit, Totoche, il n'y a plus parlé. Pourquoi il n'y a plus parlé? Ah, c'est moi qui n'y a plus parlé ou c'est... Oui, je sais pas. Ah, aussi, je dis, t'es Laurence, en fait, quand il sort de travail, il lâche au démo. Ah, sûrement, mais... où il n'y a plus parlé, parce que de toute façon, il n'y a pas trop causé. Mais non, mais c'est que Mel est fatiguée, tu vois. C'est pas ça, des fois, même comme elle a démarré l'émission tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vraiment un stress, quoi. Non mais Ao, on n'a que un téléphone ou moi mais on a 4 écrans à gérer s'il te plaît. Plus c'est un. Clair. Non mais je comprends. Tu vois, plus une console et plus le volume, voilà. Donc c'est vrai. Laurence qui dit oui. D'accord, ok. Laurence, elle est vraiment une blonde ou un. Laisse-le tranquille, t'es fou là. Bon. Anel, bon, les leurs, hein, bon, voilà, c'est pas que j'aime pas haut, mais... Oui. Mais je t'aime beaucoup, mais voilà, quoi. Ouais, il est l'heure de partir. Il est l'heure de partir. En tout cas, il est l'heure de vous quitter. Ce n'est qu'à nous revoir, on se revoit mercredi. Voilà, on se donne rendez-vous demain avec Leslie, hein, et puis toi, à la prochaine. Ah, ben oui, voilà. Mais bon, on n'a pas de problème. Laurence qui nous dit, bien dit, Anel, j'aime sa musique. Ah, ben voilà, ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Ah, c'est gentil. Merci, c'est très gentil. Voilà, moi aussi, j'aime sa musique. Mais il est son premier fan. Voilà. Le pauvre, il fait pitié. Bah oui, Laurence, mais il fait pitié aussi, moi. Ah, quand même. Très pitié, le pauvre. Ah oui, très pitié. En tout cas, Bindon, nous attend rendez-vous dès demain sur la radio, sur Kayom FM, entre 16h et 18h dans le Tropical After. Anel, ben, bonne soirée, ben, bon Caribé Chic, bonsoir. Ben, nous retrouve, merci beaucoup, et gros bisous tout le monde, et reste votre case. Voilà, reste votre case. C'est bon? Allez, ciao Anel. C'est bon. Allez, bye bye. Bye bye. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao, bye bye, 17h passé de 55 minutes. Allez, en tout cas, dans un autre rendez-vous dès demain sur la radio. Et puis, alors, donc, Nena, un autre commentaire que l'arrivée entre-temps sur... sur le Facebook Live, Tommy regarde un petit coup ça. Alors. Donc Marie qui nous dit, ma fille, c'est toi que je vois. D'accord, ok, bon. Alors en tout cas, Michel Tazot, une très bonne soirée tout le monde. Et puis ben, nous retrouve très très prochainement. Enfin, nous retrouve dès demain. Pas très prochainement, mais demain. Allez, ciao, bye. Direct radio avec Kayom FM. Avec Dani sur ta radio. La diète, tes potes, ton kit, ton cas.